Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors, je vais commencer, peut-être même terminer, je ne sais pas en fait, mon habituel vlog achat. En fait, ça me convient ce format, même si dernièrement, j'ai pas vraiment fait un vlog achat puisque, comme vous le savez, je suis occupée à autre chose. Tiens, d'ailleurs, on est le lundi 30 septembre, il est 18h32. Important le 32, hein, non, on s'en fout, mais c'est juste parce que c'est marqué 18h32 sur l'horloge de mon four. Enfin bon, bref. Et je viens d'avoir à l'instant, pour ceux qui me suivent, la date de mon oral, enfin, qui sera le mardi 15 octobre. Alors, j'ai pas encore l'heure et j'ai pas encore le lieu, mais ce sera le mardi 15 octobre, enfin. J'en pouvais plus parce que franchement là, je commençais vraiment à être à cran et ça me pesait énormément. Donc maintenant, je vais pouvoir vraiment m'organiser et puis me projeter surtout. Bon voilà, c'était le petit intermède. Donc je ne sais pas finalement si je ferai plusieurs parties de vidéos parce que j'attends encore d'autres choses. Bon là, il y a un peu tout. Hein. Il y a du AliExpress, il y a du Action et puis il y a un autre. Il y a un autre achat que j'avais fait que j'avais complètement oublié de vous présenter, donc je vous le montrerai après aussi. Et après, j'attends aussi des toiles de chez Art & Soul, mais je pense que je ferai une vidéo à part. J'ai aussi acheté deux Pixel Hobby. Oh la cata! Et je voudrais acheter. Alors, deux Pixel Hobby Oraloa. Et j'attends aussi un. Non, j'attends rien en fait, j'ai pas pu le commander parce que c'est pas la bonne date. En fait, il y avait des sorties aujourd'hui sur Oraloa de Diamond Painting. Donc, on est le lundi 30. Et finalement, c'est demain, mardi, premier. Il y a une toile que je veux absolument, c'est le petit fantôme là d'Halloween en diamant rond. J'adore, j'adore, j'adore. Bon, bref. Voilà ce que je voulais dire en intro. Donc, je vais revenir tout doucement là sur YouTube. Mais là, je fais une pause dans mes révisions et tout parce que je vais péter un plomb là. J'ai l'impression de toute façon de plus rien savoir, de tout oublier. Enfin bon, c'est la catastrophe. On verra bien. Donc, revenons à nos moutons, hein, ce qui nous intéresse. Donc, allez, on va commencer par un premier sachet AliExpress. Alors, ne me demandez pas quand est-ce que j'ai commandé. Franchement, je m'en souviens plus. C'est à cheval entre août et septembre. Et j'ai acheté plusieurs choses. C'était un moment donné où il y avait beaucoup de promotions et les frais de port offerts là. Sur AliExpress, évidemment, je suis allée voir comme ça par hasard et puis j'ai craqué sur plein de trucs. Bon, bref. Donc voilà. Alors, on commence par. Alors, si vous voulez les liens, honnêtement, là, je ne vais pas avoir le temps de les mettre, mais si vous voulez, s'il y a vraiment des choses qui vous intéressent, dites-le moi, je rajouterai les liens au fur et à mesure. Mais là, je ne pense pas avoir le temps de les mettre parce que c'est vraiment trop long. Et je me rappelle plus des prix, hein, mais c'était pas très cher hein, de toute façon sur AliExpress. Alors, j'ai commandé. On va y arriver, hein. J'ai commandé ceci. Alors, c'est quoi? C'est une boîte de Diamond Painting, hein, comme on voit. Et en fait, ce qui me plaisait, c'est que les boîtes, elles étaient assez grosses à l'intérieur. Les espèces de. Alors, c'est pas des boutillons, hein, c'est des mini boîtes. Je sais pas trop. On va ouvrir. Donc, ça se présente comme ceci. Ça n'a pas l'air cassé ni rien. Donc, c'est plutôt pas mal. Et. Voilà, ça s'ouvre comme ça. Alors, je vais peut-être abaisser un petit peu la caméra parce que sinon je vais trop galérer. Voilà. Alors, la lumière est allumée hein, parce qu'il commence déjà à faire nuit. Donc, ça y est, hein, évidemment, elle va être de nuit sauf quand je les ferai le week-end. Donc, on a un jeu d'étiquettes. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'était surtout ça, ces boîtes-là. Parce que, en fait, elles sont quand même assez larges. Et j'ai acheté des Diamond Painting chez Action. Il y a vraiment de très très grands de très grands strass, de très grands diamants spéciaux, et que ce soit dans les toutes petites carrés ou dans les bouteillons, ça passe pas bien. Alors que là-dedans, je me dis que du coup, ce sera beaucoup plus pratique. Donc c'était un petit peu l'objectif de cet achat. Donc quand j'ai des toiles avec des diamants spéciaux un peu gros, je trouve que c'est pas mal. Alors il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5. 8, 9, 10, 12, 14. Donc il y a 14 boîtes. Et effectivement, on a des étiquettes pour coller dessus. Alors c'est bien serré là. Peut-être me fera mettre une boîte en moins parce que c'est quand même bien bien serré.
Voilà, donc ça c'était mon premier achat sur AliExpress. Et je pense que honnêtement, ça a l'air de très bonne qualité. Le plastique est bien épais, donc bon, je pense que je vais être contente. Ensuite, voilà, j'en ai acheté une deuxième qui est pas du tout pareil. Alors là, c'est des boîtes, c'est des bouteillons rectangles, carrés. Alors on va l'ouvrir. Je sais pas où ça s'ouvre. Là, voilà. Alors, mais pareil, on a un jeu d'étiquettes. Donc ça, c'est toujours bien, honnêtement, pour coller et recoller. Donc sur le même principe que l'autre, en fait, mais c'est un plastique quand même bien épais. Il n'a pas l'air cassé. Ici, vous avez deux fentes pour ouvrir. Alors voilà, que je fasse pas de bêtises, hein, parce que je commence pas à le casser dès le début. Il y en a 1, 2, 3, 4. 2, 4, 6, 8. Qui est bon en maths? 4 fois 8, 32, c'est ça? Voilà. Donc on a 32 petites boîtes. Alors je sais pas comment on appelle ça. En fait, c'est des boîtes rectangulaires, en fait. Ah, oh, bah, ça s'ouvre comme ça, tiens. Je pensais que tout s'ouvrait dessus, mais en fait, non, il n'y a qu'une partie qui s'ouvre. Bon, c'est pas plus mal, hein. Voilà, donc pareil, hein, c'est dans un objectif parce que je suis en manque de boîtes, des toutes petites boîtes, vous savez, colorées là. Donc ça va me servir. Surtout en ce moment où j'ai pas le temps et en fait, je range rien. J'ai un bordel sans nom dans tous mes diamants, c'est un enfer. C'est un enfer, il n'y a rien qui est rangé. Je vais passer 2 jours à ranger les diamants, c'est horrible. Donc là, ça va me servir aussi. Donc je suis contente. Ou même pour faire des petites toiles. Vous savez, des petites toiles 30 par 40 ou ce genre de choses, mais je trouve ça. Enfin, j'espère que ça va être pratique. A priori, oui, hein. Ça prend pas beaucoup de place, c'est très bien. Donc, ça, c'était mon deuxième achat. Alors, ça, c'est moyen, moyen. Je pense, je suis pas sûre que ça tienne réellement longtemps. Bref, on s'en fiche, c'est pas l'objectif. Je compte pas trimballer cette petite boîte. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ah, oui, alors, ça, c'est un truc que j'ai déjà ouvert parce que j'en avais marre d'attendre de faire cette vidéo. Donc, c'est quoi? C'est des petites boîtes comme ça, dans lesquelles vous pouvez mettre des cartes. Et moi, j'en ai déjà pris une parce que justement, je voulais m'en servir. Donc, c'était vendu par deux, lot de deux boîtes. Et ici, ben, en fait, j'ai tous mes doubles de mes paniers, en fait. Donc, voilà. Là, ici, j'ai tout ce qui est les Schtroumpfs. Après, je dois avoir Stitch. J'en ai plein, si vous voulez, de Stitch. Oui, voilà, j'en ai plein. En revanche, les cartes Gorgeous, elles ne rentraient pas dans ce format-là. Bon, mais tant pis, c'est pas grave. Je les ai laissées dans une enveloppe. Mais bon, mettre tout dans une enveloppe et tout, ça prenait trop de place. Et ça, c'est très bien. C'est pratique, ça se ferme. Pareil, le plastique est de très bonne qualité, assez épais. Je suis contente. À la base, je crois que c'est fait pour des cartes de Pokémon, hein, des trucs comme ça. Mais moi, voilà, je détourne. Voilà, ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, j'avais oublié, j'ai acheté ça. Alors ça, je crois que... je sais pas. Et je vais tester. Parce que des fois, je voudrais faire des vidéos où je mets la caméra vraiment au-dessus de mon loisir. Mais j'y arrive pas bien. Mon Dieu, qu'est-ce que ça va être? Bon, en gros... Il y a une pince énorme. Ah, mais ça, c'est pour mettre sur le bord de table. Ouais, ok. Et ça, c'est comment... Mon Dieu. Oh là 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 là. Bon, je sais pas trop. Je sais pas trop. Il faudra que je regarde la photo. Bon, en gros, c'est un truc pour poser le téléphone portable, mais je sais pas où on le met. Je sais pas. Ah, mais ça doit être comme ça, je pense. J'en sais rien. Non, franchement, je sais pas. Je vais aller voir la notice parce que je me souviens plus. Ça doit être un truc du genre. Et là, vous devez mettre peut-être le téléphone. Et ici, vous coincez ça au bord de table ou de bureau. Un truc comme ça. Puis en plus, il y a du... vache, c'est raide. Hein. Vous savez, il y a de la feutrine là, pour protéger votre table, si elle est en bois ou enfin, peu importe. Donc, c'est une grosse pince. Bon, ce qui est bien, c'est que je ne voulais pas un truc fixe qui se visse. Donc, mais alors ça, c'est pareil. Ce truc-là, c'est hyper rigide. Hein. Je ne pensais pas que c'était aussi rigide. Je pensais que c'était souple. Non, non, c'est très, très rigide. Bah, c'est pas plus mal, hein, parce que comme ça, au moins, ça va bien tenir le téléphone. Et en gros, je pense qu'on doit mettre le téléphone là. Alors, je peux pas le tester avec vous là, parce que... D'ailleurs, ça, là, je crois que ça doit se mettre là. Bon, bref.
Je ne vais pas tester parce que je suis en train de filmer avec mon téléphone, donc je ne peux pas faire les deux. Mais bon, voilà, c'était pas très cher. Voilà, évidemment, j'ai pété le. Enfin, j'ai pété. J'ai enlevé ça, mais il faut que ça se visse et tout, je pense. Et puis, il faut mettre cette espèce de bouchon. Bon, en gros, le principe, moi, c'était pas très cher, donc je l'ai pris. Donc, je testerai à l'occasion. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, alors. J'ai pris deux choses qui allaient avec. Enfin, qui allaient avec, non. Non, non. En fait, ça allait pas vraiment avec, mais c'est moi qui ai dit qu'elle allait avec. j'ai racheté des release paper, là. Des papiers de libération, voilà. Je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça en français. Parce que c'est vrai que la traduction mot pour mot de release paper, c'est papier de libération, mais bon, ça veut rien dire. Hein. C'est, franchement, ça veut rien dire, c'est n'importe quoi. Donc voilà, vous savez, c'est des papiers qu'on peut mettre à la place des films plastiques qu'il y a sur vos diamants de painting, bah, notamment pour l'étoile mystère ou pour autre chose. Hein, donc moi, j'en avais acheté chez 3D Art Réel, mais ils étaient petits, alors que ceux-là, ils sont beaucoup plus grands. Je pense qu'ils sont, je me rappelle plus, je crois que c'est, ça doit être 10 par 15, quelque chose comme ça. Donc j'en ai acheté tout un lot, hein, bah, c'est pareil, c'est, tout est en promo hein, sur AliExpress. Et donc je trouve ça pratique, et notamment peut-être pour les nouvelles toiles de diamants d'Art Club, là où je supporte pas leur nouveau papier là transparent, vraiment ça m'horripile, ça m'énerve. Donc peut-être que je mettrai ça. Et je crois que j'avais vu aussi sur chez Katharina, elle avait mis des petits autocollants dessus. Alors moi j'ai déjà plein d'autocollants, mais je voulais m'en acheter voilà, un peu de saison, donc j'ai acheté des autocollants dit comme ça quoi. Je sais pas trop ce que c'est. Je l'ai vu, c'était en promo. J'ai dit, ah tiens, c'est sympa. Allez, hop, je mets. Voilà, c'était quoi? Voilà, c'est des petits. Je sais pas trop ce que c'est en fait. C'est des bonhommes avec des cœurs. Voilà, j'ai trouvé ça mignon. Donc, je vais pouvoir mettre ça au milieu. Enfin, en mettre un peu partout. Manière de décorer un petit peu ce papier qui est tout blanc. Parce que je sais qu'il en existe. De ce type de papier imprimé. Hein. Moi, j'en ai un, mais j'aimerais trouver des choses vraiment, vraiment imprimées, mais je sais pas où regarder. Je pense peut-être sur Etsy, mais je sais pas trop où, parce que souvent, ça vient de l'autre bout du monde, donc ça m'embête un peu. Bon, voilà. Donc, tout ça, c'était pas très cher. Je pense que ça... Je vais m'amuser avec. Ça y est, je commence à entasser le bins. Comme d'habitude. Et enfin... C'est enfin ou pas? Oui. Pour ce sachet-là, bah, évidemment, j'ai acheté un objet d'épée. Alors, comme vous pouvez voir là, on voit que c'est des chats. Oh, des chats. Voilà, des chats, évidemment. Hein. C'est des dessous de verre. Ça fait une éternité que j'ai pas fait de dessous de verre. Je crois que j'en ai même pas en stock. Alors, en temps normal, c'est pas un truc que j'aime finalement beaucoup faire. C'est pour ça que j'en ai pas beaucoup, parce que je trouve ça rébarbatif. Un peu ennuyeux, c'est toujours la même chose. Mais bon, c'était des promos. Et quand j'ai vu la tête de ces chats, j'ai dit non, mais il est faux. Regardez. Donc, c'est des dessous de verre qui sont en bois. Voilà. Je sais pas si je m'en servirai réellement dans la vie, mais c'est vraiment pour le plaisir de faire, hein, parce que j'adore ça. Et puis, c'est des têtes de chats, donc moi, je les adore. En plus, ils sont trop mignons, avec des gros yeux. Regardez, celui-là, il est bien dodu, bien rond. C'est trop mignon. Donc, voilà. Vous connaissez ma passion pour les chats. Celui-là aussi, il est bien dodu, bien rond. J'adore. Regardez ses yeux, on dirait qu'il louche, celui-là. Voilà, avec des couleurs différentes. Donc, je vous montre un peu tout ce que j'ai eu. C'était mon jour. Oh, mon jour, je suis le chat. Non. Voilà. Je fais la folle. Hop là. Tiens, bah, d'ailleurs, il y a le mien qui se pointe, de chat. En fait, dès qu'il m'entend parler avec une voix de débile, il pense que je m'adresse à lui. Mais parce qu'en fait, je m'adresse souvent à lui comme avec une voix de débile. Bon, bref, on s'en fiche. Donc, il y avait un toolkit. Hein. Et puis, bon, il y a les diamants. Alors, les diamants. Alors, il y a deux sortes hein, de diamants. Il y a des diamants normaux noirs. Et après, c'est que des strass. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de diamants spéciaux, c'est que des strass, donc de différentes couleurs. Alors, c'est quand même assez long à faire. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire des dessous de verre, mais généralement, voilà, avec plein de diamants partout, c'est quand même assez long à faire. Donc, ça ne fait pas... Enfin, je ne vais pas tout faire d'un coup. Hein. J'en ferai peut-être deux par deux ou ce genre de choses. Je ne vais pas faire toute la collection d'un coup parce que bah, c'est long, c'est rébarbatif, mine de rien. Mais bon, après, c'est plaisant à faire. Voilà. Et vous avez effectivement un support hein, avec. Donc, voilà pour ça. Ensuite,
Alors, si vous saviez, là, vous voyez, là j'entasse des papiers, c'est un enfer. Faudrait que je filme une fois une vidéo, filmage de vidéo, justement, pour que vous puissiez voir l'envers du décor, mais c'est affolant. Alors, attention, le bruit. Hop, on enlève. Alors, je vais prendre un peu de l'action pour changer. Donc, bon, j'ai pris toujours le même sac. Hein, voilà, il n'y avait pas de collection Noël parce que des fois, il y avait des collections de saison. Mais là, il n'y en avait pas. Alors, c'est un peu tout en vrac. Hein, je vous dis tout de suite. Voilà. Donc, j'ai trouvé. Je ne me rappelle plus des prix non plus. Hein, mais bon, voilà. Donc, j'ai repris des. Enfin, repris, oui. Parce que. Alors, c'est normal si c'est flou. Hein, c'est pas la caméra. C'est que le dessous de. Le 7, voilà, je cherchais. Le 7, en fait, il est comme ça. Il est holographique, comme ça, voilà. Alors, j'ai pris, je crois, deux fois celui-ci, parce qu'il y avait quatre modèles, mais il y en a un qui ne me plaisait pas du tout. Donc, je crois que j'ai pris deux fois ce modèle-là. Donc, Happy Holiday. En fait, il faut voir, je ne sais pas si vous arrivez bien à voir, mais bon, c'est holographique, c'est assez joli. Donc, voilà, j'ai pris la version Noël. Oh, ils sont trop beaux, oh, je ne me rappelais plus, ils sont trop beaux. Donc, là, on a un petit ourson, le Père Noël, son traîneau. Oh, regardez, la bichette, comme elle est trop belle. Voilà. Ah non, c'est celui-là que j'ai pris en double. Un joli bonhomme de neige. Voilà, c'est des dessous. Ils n'étaient pas très chers, hein. Je pense qu'ils devaient être à 50 centimes. J'en sais rien du tout, je ne me souviens plus. Mais voilà ce que j'ai pris. J'avais déjà pris une collection pour Pâques, je crois. Et là, j'ai pris donc la collection Noël. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Alors, j'ai pris des cartes de Noël. Alors, toujours chez Action, hein, évidemment. Donc, j'aime bien prendre les cartes de Noël de chez Action parce que je trouve qu'elles sont très qualitatives. Je les envoie pas. Sincèrement, je les envoie pas. Je les garde. Je les garde pour moi. Donc, j'ai pris ce modèle-là. Donc, vous voyez, il y a trois dessins différents. Alors, je vais en ouvrir un quand même pour que vous puissiez voir. Qu'est-ce que j'ai fait de mon truc? Qu'est-ce que j'ai... Ah, voilà. Alors, juste pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble et de quoi ça a l'air. Donc oui, en ce moment, je scie entre les achats de Noël et en loisirs créatifs et ceux de d'Halloween. Hein. Donc bah, là, c'était la version Noël. Et pas de carte d'Halloween, sinon j'en aurais pris, évidemment. Alors, en fait, ça se présente comme ça. Donc vous avez une grande carte. Franchement, c'est un grand format, c'est très joli. Et donc, vous avez le dessin ici à diamanter. Vous avez une énorme surface d'écriture. Vous pouvez mettre plein de choses dedans, si vous souhaitez. Et ensuite, vous avez donc une enveloppe rouge. Voilà, au design, à la couleur de Noël. Donc voilà, donc là, elle est un petit peu abîmée. Mais bon, c'est pas très grave. De toute façon, je les envoie pas. Moi, je les garde. Donc voici le premier modèle. Le deuxième modèle et le troisième modèle. Voilà, en tout cas, j'en avais fait, je crois, l'année dernière. J'étais très satisfaite. Et voici, en gros, les diamants. Alors, il n'y a pas de strass, hein, c'est que des diamants classiques, on va dire, hein, en acrylique. Mais voilà, il n'y a pas de strass. Vous pouvez en rajouter, hein, vous pouvez en substituer si vous voulez. Hein, mais mon chat qui pète un plomb. Il fait ses zoomies là, voilà, mon chéri. Et j'ai pris aussi un deuxième lot. Il y en avait un troisième, mais je crois qu'il ne me plaisait pas. Donc, on a un bel oiseau dans une couronne. On a un cadeau Noël. Et oh, j'adore! On a une boîte aux lettres avec un oiseau rouge trop beau. Donc, voilà. Je ne sais plus les prix. Hein, je ne sais plus les prix. Alors, on n'est même pas le 1er octobre, il y a déjà les trucs de Noël. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Le mois prochain, qu'est-ce qu'ils vont sortir? Est-ce qu'ils vont réassortir? Je sais pas. Franchement, je sais pas. C'est très, très bizarre. On verra. Ensuite, ah oui. Alors, j'ai pris des trucs comme ça. Et ça, j'ai piqué l'idée à Sam. Alors, Sam, elle avait fait une vidéo de ses achats actions. Et elle a acheté ces petites maisons de Noël. Oh, j'adore. Donc, il y avait plein de sortes différentes hein, chez Action. Et alors, je les ai toutes testées sur place. En fait, quand vous allez dans le magasin, vous avez ici une petite sécurité de papier. Là, faut la retirer et ensuite, vous pouvez connecter. Et voilà. Donc, si ça s'allume, bon, bah, c'est que ça fonctionne, hein, évidemment. Mais je suis tombée sur un ou deux trucs comme ça. Décoration où ça ne fonctionnait pas. Donc faites attention à ça.
Je ne me rappelle plus des prix, mais bon, j'ai pris ce modèle-là. Alors, pareil, hein, ce sera posé, je ne sais pas où, soit ici, soit à mon bureau. Je pense que je vais mixer un peu les deux. J'ai pris aussi ce modèle-là. Voilà, donc on peut l'allumer. Alors, je ne sais pas si ça rend vraiment bien. Il faudrait mettre un petit peu plus de pénombre, hein, mais bon, là, il n'y en a pas. Enfin, si j'éteignais la lumière de mon plafond, il y en aurait peut-être, hein, mais voilà. Et ensuite, le dernier modèle. J'ai pris celui-ci. Voilà. Voilà. Moi, j'adore. Bon, pareil, je vais vous l'allumer. Voilà. Donc, je trouve ça super joli, même pour mettre dans une chambre, sur une table de nuit ou peu importe. Voilà. Donc, il y avait quatre modèles différents, je crois. J'en ai pris que trois. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui. Marche arrière, on revient chez Halloween. Donc, pareil, c'est pour ça que je voulais absolument faire la vidéo, hein, parce que mais on est le 30 septembre, hein, demain c'est le premier, donc il faut quand même que je commence un petit peu ma déco. Voilà, donc j'ai pris une lampe LED avec des petits fantômes, voilà. Alors, comment ça s'ouvre? Oh, c'est toujours la galère. Ah, là, il y a un bout de scotch. Voilà. Hop. Bye bye le scotch. Tiens, je ne sais pas si les piles sont fournies. Non, les piles, elles ne sont pas fournies. Vous voyez, il faut les mettre là. Il faut les mettre ici. Donc, vous mettez vos piles. Donc, voilà. C'est deux piles AA. Et ensuite, vous allumez ici, là. Voilà. Et vous avez ces petits. Voilà. Oui, c'est trop mignon. Vous avez ces petits fantômes là qui vont s'éclairer. Pareil, hein, vous pouvez mettre ça sur une commode, un meuble, ou l'exposer voilà, sur un mur, sur des petites attaches ou des petits clous, je ne sais pas. Voilà, des tableaux sur une table, peu importe. Donc, mais pareil, hein, je vais en garder une ici et je vais en prendre une au bureau. Alors, elle fait combien? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Attendez. 3 volts, oui, ça. Non, je voulais voir la longueur. Je ne me rappelle plus. Ah, voilà. Ça fait 1,80 m en tout. Sans le. Donc, il y a de quoi faire quand même. Hein. Donc, voilà. Et j'ai pris la même chose ici, mais avec des petites citrouilles. Voilà. Et pareil, il y avait un troisième modèle, mais je n'aimais pas du tout. Je ne trouvais pas beau. Donc, là, j'ai pris des petites citrouilles. Voilà. Elles sont mimi, elles font pas trop peur, hein, parce que je crois que le troisième truc, la troisième guirlande qu'il y avait me faisait trop flipper, donc j'ai dit non, non. oui, mais on peut encore flipper à 44 ans, oui, je vous assure. Voilà. Ensuite, eh bien, rebelote, hein, remarche en arrière, ou marche en avant, comme vous voulez. J'ai évidemment craqué pour un diamant de painting. Alors, les diamants de painting de chaque action de Noël, en général, je les aime pas. Je les aime pas, je trouve qu'ils sont vraiment trop petits, c'est trop pixelisé, vraiment j'aime pas du tout. En tout cas, les 30 par 40. Il y a une époque où ils faisaient des 40 par 60. J'en avais fait un une fois, ils avaient bien aimé, mais depuis qu'ils ne font que des 30 par 40, j'aime pas. Mais cette année, ils ont ressorti de nouveau des pets de Noël en 40 par 60. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais le design, il n'est pas du tout comme d'habitude. Donc, a priori, dans ce DP, il y aura des glow in the dark, donc c'est des diamants qui brillent dans la nuit. Vous avez des formes spéciales et des diamants métalliques. Alors, c'est du diamant rond, hein, et le dessin, c'est celui-ci, c'est un toutou sur sa couverture, là, devant une fenêtre, avec un sapin Noël. Alors, il y en avait plein d'autres modèles, il y en avait 3 ou 4 autres de modèles, mais vraiment celui-là, pourtant moi je suis chat, mais alors celui-là j'ai trouvé vraiment trop mignon. Donc, mais voilà, j'ai pris celui-ci. Alors, je vais quand même l'ouvrir pour que vous puissiez voir la toile, si vous êtes intéressé. Et c'est pas très cher, hein, c'est le même prix que les autres toiles, hein, c'est moins de 5 € la toile, donc vraiment ça vaut le coup. Et puis je suis rarement déçue, hein, des toiles de chez Action, pour ne pas dire jamais déçu, hein, sauf les toiles carrées. D'ailleurs, ils n'en font plus, hein, les toiles carrées, hein, c'est tellement la catastrophe. Bref. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que vous voyez?
vous voyez un chien un peu tordu. Est-ce que j'essaie de remettre? Non, ça va m'embêter. Donc, voilà la toile. Donc, je ne la mesure pas parce qu'on sait très bien que c'est toujours les bonnes tailles chez Action. Donc, voilà. Donc, on a bien notre petit toutou chéri. Alors là, il est trop beau. Hein. Je pense à une sorte de labrador, hein, cette race de chien. Voilà, qui regarde un joli sapin de Noël. Donc là, on voit dans le sapin de Noël qu'il y aura la lettre Y, hein, qui sera forcément un diamant spécial. je pense que c'est le seul hein, qu'on aura en diamant spécial. Ouais. Et après, bon bah, on va regarder un petit peu les diamants si vous voulez, mais je vais pas vous mettre la toile à plat hein, tout de suite. Alors voilà, la ribambelle de diamants. Ah, je vois les métalliques ici et je vois les spéciaux ici. Alors attendez. Donc, voilà, les métalliques, ce sont ceux-là. Donc, ce sont en fait des métalliques dorés. Alors, B3, ça va vachement m'aider, B3. On va voir la feuille de route. Qu'est-ce qu'elle raconte? Alors, c'est la lettre B. Ouais. Donc, c'est la lettre B, donc j'en sais rien, on va regarder, voyons voir, juste pour voir à peu près. Ah oui, donc la lettre B, donc voilà, ça va être tout le métallique, il va être ici, là. Il va y en avoir tout le long, là, de la fenêtre aussi. Évidemment, il y en aura dans le sapin. Oh, ça va être trop beau, ça va être trop beau. Oui, il y en aura au-dessus de la boule. Bon, il y en aura un peu partout. Il y en aura un petit peu ici. Et c'est déjà pas mal. Hein. Voilà. Et ensuite, alors les diamants. Où c'est que j'ai vu le gros? Le gros strass. où c'est qu'il est? Je l'ai vu tout à l'heure, maintenant je ne le vois plus. Ça y est, je perds la tête. Bah zut alors. Bah, ça va vous permettre de voir en gros les couleurs. Il y a pas mal de marron, bon, le bleu pour la neige et le ciel. Ok. Donc nos fameux spéciaux. Moi, ouais, c'est pas les glowing dark, ça, j'en sais rien. Bref. Ah, allez, voilà. Donc, ce qui va aller dans le sapin, c'est ces diamants-là. Je crois que c'est bien le Y, quoi, ça. C'est le Y, donc ce sont des demi-dômes jaunes avec de la nacre dessus, donc c'est des AB. Et donc, ils iront dans le sapin. Ça m'embête le reflet au-dessus, voilà. Donc ça ira bien ici, là. Voilà. Voilà, je suis fatiguée, hein. Ça fait déjà 28 minutes que je parle. Je crois que je vais me montrer le dernier AliExpress, là, et puis... Et puis basta. Mon Dieu, c'est ce qu'il faut que je range après. Donc si je peux vous montrer quand même la feuille de route, voilà. Donc ici vous avez le nombre de couleurs. Hein, voilà, le Y, il est comme ça. Bon, je la ferai. Je suis quasiment sûre que je la ferai. Je suis pas du tout encore dans ma projection des projets de Noël. Parce que je suis encore dans Halloween et dans l'automne. Mais voilà. Oh le pin, c'est affreux. Alors si, je voulais vous montrer ça quand même. Alors ça, j'avais acheté ça pour le Pixel Hobby. C'est du rose très très pâle. En fait, j'ai acheté ça chez Yves et Yvette. Je crois que c'était Clara qui avait présenté cette boutique. Donc j'ai voulu acheter ça. J'ai testé ça et c'est très bien. Honnêtement, pour ceux qui font du Pixel Hobby, alors moi je conserve d'abord les deux boîtes qui sont dans les Pixel Hobby, hein, les boîtes en carton, et je regroupe tout dans une seule boîte au fur et à mesure qu'il y a des plaques qui s'élaguent, et quand ça commence à tomber dans la dernière rangée qui reste, je vous parle chinois peut-être, attendez je vais chercher, je reviens. Voilà, je suis allée chercher, donc vous voyez quand vous achetez un Pixel Hobby, en général vous avez ce genre de carton dans lesquels sont rangés les pixels, vous pouvez en avoir qu'un seul hein, en fonction du nombre de plaques.
Vous pourrez en avoir plus. Mais moi, ce que je fais généralement, donc celui-ci, je suis en train de le faire. Vous voyez, j'ai ma petite carte justement qui marque ici. Donc, je m'en suis arrêtée là. Voilà. Et ça, c'est la suite. Mais il n'y avait pas suffisamment de cartes de pixels pour aller jusqu'au bout. Donc, la société, elle a mis ça pour compenser. Moi, quand ça devient trop lâche de ce côté-là, mais je rapatrie ça ici au fur et à mesure pour à la fin n'en avoir qu'un. Et c'est pareil, une fois que j'en ai qu'un et que ça commence à être trop lâche, là, à ce moment-là, j'utilise ça. Et c'est vraiment, vraiment pratique. En revanche, ça c'est mon avis personnel, je ne trouve pas ce genre de rangement pratique pour faire un DP dès le début. Moi, je préfère garder ce genre de boîte, mais à la fin, quand ça commence à tomber, ça me saoule. vraiment, ça me saoule. Donc du coup, j'ai acheté deux boîtes de rangement, ils sont roses bonbons, hein. Bon, voilà. Si, ils sont roses clairs, vous voyez bien quand même, c'est la lumière là du plafond hein, qui change un petit peu. Mais c'est très très pratique, honnêtement c'est très pratique, deux ça suffit. Pour moi, pour l'instant, je verrai après, mais pour l'instant, ça me suffit. Donc, j'ai acheté ça et je suis très, très contente. Sincèrement, je suis très contente. Voilà. Et enfin, j'en peux plus. J'ai soif, je suis fatiguée. Vous m'épuisez, les enfants, vous m'épuisez, j'en peux plus. Oh non. Allez, voilà mon deuxième sachet. Alors, il n'y a pas mon adresse dessus. En fait, c'est que des washi. J'ai acheté que des washi chez AliExpress. J'ai eu une folie washi. Et évidemment, je ne me rappelle plus ce que j'ai acheté comme washi. Donc, on va les ouvrir un par un. Donc, j'ai pris celui-ci. Oh, il est beau. Mon Dieu, qu'il est beau. Bon, pareil, il est automnal. Il est trop beau. Je ne sais plus les prix, sincèrement. Bon, après, c'est quand même des washi de bonne qualité. Donc, ils sont quand même pas donnés. Hein. Je crois que ça doit être un... Je pense que c'est moins de 2 euros le rouleau, mais bon, c'est quand même pas donné. 2 euros un rouleau, mais ils sont quand même de bonne qualité. Ensuite, j'ai pris ce modèle-là. Des fleurs encore. Mais moi, j'aime bien les fleurs. Je trouve que ça sort bien sur les... sur les DP, quoi. J'aime bien hein, les fleurs. Ensuite, qu'est-ce que j'ai... Alors, j'ai acheté un truc, je me rappelle plus. Qu'est-ce que j'ai acheté? J'en sais rien du tout. Ah, c'est des stickers. Je ne me rappelle même plus. Je crois que j'avais acheté que des... Je ne me rappelle plus. Ah oui, j'ai acheté des stickers. Oh, ils sont trop mignons. C'est des kawaii. Ah oui, ça y est, je me souviens. J'ai acheté des stickers kawaii. Eh bien, voilà, mais c'est parfait. Comme ça, je pourrais les mettre... alors, est-ce qu'il y a plus... Parce que là, j'ai l'impression que c'est tout le temps le même. Ah oui, non, il y en a d'autres. Et bien voilà, je vais pouvoir les mettre sur mes trucs blancs, là, mes release paper blancs, là. Ça va pouvoir faire joli, quoi. Donc, évidemment, j'ai pris du chat kawaii. Comme d'hab, quoi. Je ne me rappelle plus quoi. Et je ne me rappelle même plus que j'avais acheté ça. Mais bon, c'est très bien, je suis contente. Ensuite, il y en a encore là. Alors... qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, j'ai pris un lapin. Je me souviens, j'ai pris un lapin. Alors, c'est pas forcément le dessin en lui-même de tous les washi qui m'intéressaient, c'était les couleurs. Parce que je trouvais que je manquais de certaines couleurs. Et donc là, c'était rose. Bon, il se trouve que c'était un lapin. Et moi, j'adore. Tiens, d'ailleurs, en parlant de lapin, il faut absolument que je trouve une toile lapin à faire. J'ai envie de faire un lapin. Alors, je sais pas quand est-ce que je le ferai, mais j'ai envie de faire un lapin. J'ai pas de toile d'épée normale. Enfin, normal, pas en strass, hein, en diamant rond, juste. J'en ai pas, avec un dessin de lapin, et j'ai envie de faire un lapin. Ne me demandez pas pourquoi. Ça se trouve, dans une semaine, j'ai envie de faire un cochon. Mais là, j'ai plutôt envie de lapin. Ensuite, j'ai pris... Ah, bah, j'en ai pris un Halloween aussi. Il est joli, avec des jolis fantômes et des étoiles. Il est trop beau. Et les couleurs aussi, j'aime beaucoup. Elles sont automnales. Voilà. Ensuite. Ah, j'ai fait le plein. Qu'est-ce que c'est ça? Je ne sais plus. Ah, j'ai pris un ourson. Un ourson de Noël. Un ourson qui tire la langue avec des cornes. Bon, voilà. Ok, il est trop beau aussi.
Ensuite, j'ai eu une folie, non, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, j'ai pris un cuit-cuit rouge avec un fond bleu. Alors, c'est des sapins. Alors, il y a un sapin blanc, il y a des petites herbes là, ici. Je ne sais pas si on voit très bien. Voilà. Alors, ils sont tous, je crois, de quasiment 10 mètres. Hein. C'est pour ça aussi que le prix est élevé, hein, parce que voilà, je veux avoir la marge pour faire l'encadrement, puis ensuite mes carrés ou mes rectangles sur la toile. Donc voilà. Et là, c'est un gros truc. Je sais plus ce que c'est. Je sais plus. Non, franchement, je ne sais plus parce que ça fait longtemps que j'ai commandé ça. Ça fait longtemps que ça traîne. D'ailleurs, mon mari est en pleine crise de nerfs là. Parce qu'il me dit, non, faut que tu ranges, faut que tu ranges. Oh là là. Oh, mon Dieu. Mais qu'est-ce que j'ai acheté? Non, mais regardez tout ce qu'il y a là-dedans. Mais je me souviens plus d'avoir acheté tout ça. Ah oui? Non, je me souviens plus. Ils sont trompés. Non, je sais pas. Ah oui, si, il y avait une promo. Bah évidemment, il y avait une promo. Je crois qu'il y avait un bloc de tout plein de trucs. Donc ça, c'est Halloween. Avec des champignons, une citrouille, un fantôme dans les tons orange. Trop méga magnifique. Ça, qu'est-ce que c'est? Mais ça, c'est aussi sur le thème automnal avec des champignons. J'adore, il est trop beau. Combien il y en a là-dedans? J'en sais rien. Ensuite, des fleurs. J'aime beaucoup, moi j'aime bien les fleurs, hein. Je sais pas vous, mais moi j'aime bien les fleurs, puis j'aime bien voir le choix. Et je trouvais que j'avais plus assez de choix, bien que j'ai encore beaucoup, mais je trouve que c'est toujours les mêmes. Alors celui-là, c'est un arc-en-ciel multicolore avec des étoiles argentées. Oui, c'est ça, des étoiles argentées. Donc on voit bien la taille, hein. Ils sont tous à 10 mètres. En tout cas, je prends jamais en dessous de 5 mètres, hein, parce que sinon je risque d'être... Oh! Des abeilles, je me rappelle plus que j'avais pris ça, c'est trop mignon. Des abeilles, ça c'est pas une abeille, c'est une libellule en forme d'abeille. Enfin bon, c'est trop bizarre. Il a tort. Bon, c'est trop mignon avec des couleurs encore différentes, du jaune. Voilà, j'aime beaucoup celui-ci. Ah, bah, c'est une sorte de Katrina, enfin, c'est une tête de mort quoi. Avec j'adore le contraste des deux couleurs, j'aime bien. C'est un bleu marine, du blanc et un peu un orangé. Un nonos. Bon, alors, c'est pas un os pour chien, hein. C'est voilà, c'est un squelette. Il y a quand même un petit cœur ici. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que c'est celui-ci? Ah, il est beau. Oh, il est beau, je me rappelle plus, mais sincèrement, je me rappelle plus. Alors, ce sont des sorcières. De différentes couleurs, hein, vous voyez, sorcière sur son balai, donc rose, vert, et là vous avez une lune dorée avec des chauves-souris, c'est joli quand même. Celui-ci, c'est quoi? Ah, bah, c'est des citrouilles. Oh, bah, oh, regardez, elles sont dorées aussi, je me souvenais plus. Ah, elles sont trop jolies, des jolies citrouilles, ça va bien ressortir ça aussi. Il y en a encore combien? Il y en a encore trois. Allez, c'est bientôt la fin. Enfin, surtout pour moi, parce que je suis fatiguée. Donc là, un thème encore différent, c'est bah, Noël avec des petites maisons oranges, un fond clair, des sapins noirs. Oh, j'adore, j'aime beaucoup. Au moins, j'aurai un panel de couleurs plus varié. Alors, ah, encore une tête de mort. Mais pareil, il y a du doré qui fait le contour. Et vous avez chauve-souris, trop mimi. Voilà, avec un fond orange. Eh bien, j'en ai commandé. Mon Dieu, qu'est-ce que j'en ai commandé? Ah, et là, vous avez des maisonnettes de Noël. J'adore. J'adore aussi un fond bleu. Voilà. Ça fait très chemin de traverse Harry Potter. voilà. Bon, non, je crois que je vais m'arrêter là. Je ne me rappelle plus j'ai commandé autre chose, mais là, ça fait 39 minutes. Donc voilà tous mes achats. Alors je vais juste laisser ça parce que là je suis fatiguée, il faut encore que je range. Bah, dites-moi ce que vous avez pensé de mes achats du mois dernier, un peu du mois d'avant. En fait c'est un peu tout mélangé. Je crois que je vous ai dit en début de vidéo que d'autres vidéos viendraient sur d'autres produits, mais que je voudrais faire à part. Voilà. Bon, bah sur ces bonnes paroles, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous voulez des liens, parce que je ne pense pas que j'aurai le temps honnêtement de mettre les liens des produits, mais si vous êtes vraiment intéressé par quelque chose, je vous les mettrai. J'ai soif.
Et voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire hein, ou un émoticône, peu importe. Et bah, moi, je vous dis, je vous fais d'abord plein de bisous et je vous dis à bientôt pour la suite de mes aventures.